Administrateur Shepard, aidez-nous. Légion. Je me réjouis que l'on puisse te libérer de ton confinement. Shepard, attendez. Les guettes sont contrôlées par le signal des moissonneurs. Ouais, ce truc-là. Donc, si ça se trouve, Légion est avec eux. Il aurait pu rejoindre les moissonneurs de son plein gré, ou bien être piraté. C'est pas faux. Il vaut mieux ne pas prendre de risques. Administrateur Shepard, nous pouvons vous aider. Vous nous connaissez. Vous savez que nous n'aurions jamais accepté de céder aux anciennes machines. Comment être sûr que vous n'êtes pas sous leur emprise? Notre architecture ne le permet pas. Nous sommes trop complexes. Mais ils se servent de nous pour diffuser un signal à tous les guettes. Je suis justement là pour détruire ce signal. Libérez-nous et il se coupera. Vous pourrez alors nous détruire si vous l'estimez nécessaire. Du calme, Légion. Personne ne va être détruit. Détendez-vous, d'accord? Non, ce n'est pas aussi simple que cela. Nous sommes retenus par un dispositif non loin d'ici qui neutralise notre système. Je connais bien le concept. C'est la même IA qu'a utilisé Cerberus pour vous garder sous contrôle? Oui, peau des organiques. C'est compréhensible. Mais que des guettes l'installent sur une unité indépendante, c'est inutile. Le dispositif de verrouillage est au fond de la pièce. Nous vous guiderons. Vaisseau, ouvrez le feu! Administrateur Shepard, la flotte carrienne tire sur notre vaisseau. Sans barrière, ce vaisseau ne fera pas long feu. Nous devons évacuer. Nous devons atteindre les modules d'évacuation. Les guettes n'utilisent pas de modules d'évacuation. Nous transmettons les données par signal distant. Des suggestions? Il y a des chasseurs dans le hangar d'abord. Nous pouvons en voler un. On va y arriver! Normandie à Shepard, je détecte une perte de pesanteur. Tout va bien de votre côté? Oui. Nous partons dans un chasseur guette. Envoie des coordonnées de rendez-vous. Assez de place dans le compartiment de stockage, administrateur. Ça ira. Go. Remuez un peu les ailes, histoire que je sache lequel vous êtes. Un prototype fascinant. En l'étudiant, je pourrais parvenir à trouver une faille dans le consensus guette. Légion dit qu'il peut nous aider. Pour l'instant, laissons-le s'exprimer. Entendu, commandant. Est-ce que vous allez nous aider? Oui. Que pouvez-vous nous dire des guettes? Comment réagiront-ils sans le signal? Vous commettez une erreur. Vous avez coupé le signal distant, mais les anciennes machines ont une base sur Rannoc pour le signal local. Les guettes jouissent toujours des améliorations? Correct. Ils sont actuellement désorganisés, mais quand le signal local sera OK, ils récupéreront. Qui l'a? Je dois prévenir la flotte. Xen, voyez avec Guerel. Vite! Il faut détruire la base des moissonneurs. Où se trouve-t-elle? Données introuvables. Trouvez-la! Entendu. Nous savons où se trouve un serveur contrôlant les escadrons de chasseurs guettes. Il cible les vaisseaux agricoles des créateurs. Les neutraliser réduira les pertes. Nous voulons aider. Merci. Administrateur Shepard. Sur le cuirassé, vous avez parlé d'hérétiques guettes. Que leur est-il arrivé après la destruction du satellite? Que savez-vous des hérétiques? Vous disiez ne pas parvenir au consensus à propos de leur conversion ou de leur destruction. Vous m'avez laissé trancher. Les satellites archives confirment bien cela. Nous ne comprenons pas. Pourquoi confier une telle décision à un être organique? Vous étiez indécis sur le futur de tout votre peuple. Je suppose que c'était mieux que de tirer à pile ou face.
Nous doutons que votre avis fût préférable. Pas sur le moment. Nous n'avons plus rien à dire à ce sujet. Vous dites que les chasseurs Geth ciblent les vaisseaux agricoles Kariens. Des escadrons de chasseurs Geth veulent percer les défenses des vaisseaux agricoles. Ils sont mis en réseau par un serveur situé sur Rannoc. Les dégâts engendrés aux vaisseaux affaibliront les créateurs. Les Geth hostiles seront avantagés. Donc on détruit le serveur? Non. Les programmes seraient sauvegardés ailleurs. Ils ne sont vulnérables que par interface directe. Nous avons transféré les coordonnées du serveur. Nous sommes disponibles pour cette mission. Les Geth ont déjà combattu les Kariens. Pourquoi est-ce différent? Les Geth bâtissaient une mégastructure pour héberger tous les Geth et leur mémoire, pour remédier à notre isolement. Et la flotte Karienne l'a attaqué? Oui. Un nombre sensible de programmes était hébergé quand les créateurs l'ont bombardé. Ils ne comprennent pas les dommages infligés à la pensée collective Geth. Probable indifférence. Les Geth ont été assez désespérés pour se soumettre aux moissonneurs? L'attaque des créateurs a réduit les perspectives des Geth. Notre préservation a pris le dessus. Vous aviez peur d'être anéanti? La peur est une expérience propre aux organiques. Qu'avez-vous fait après avoir quitté le Normandie? Notre plateforme physique est retournée au Consensus Geth au-delà du voile de percée. Les données collectées en mission indiquaient un retour imminent des anciennes machines. Nous avons préparé la guerre. Donc vos preuves ont convaincu les Geth du retour des moissonneurs? Bien sûr. Ah, ça a dû être bien. On se parlera plus tard. Compris. Commandant, la base des moissonneurs transmettant le signal est localisée. Bien. Et ce n'est pas trop tôt. Avec les améliorations des moissonneurs, les Geth nous taillent en pièces. Une fois le signal coupé, les Geth ne mettront plus les créateurs en danger. Quelque chose vous préoccupe? Sous contrôle de l'ancienne machine, leurs capacités de traitement sont bien meilleures. Observez. Un signal de traitement Geth. Une seule unité, je crois. Correct. À présent, 10 unités proches mises en réseau coopératif. Là, une seule unité Geth améliorée par l'ancienne machine. C'est une IA pleinement évoluée. Correct. Aussi complexe que les ondes cérébrales organiques, ou signes de vie. Oui, ils sont plus complexes, mais de là à dire qu'ils sont vivants... Ils ont évolué. Ils ont été améliorés. Et ils en mourront. Ils se sont alliés aux moissonneurs. Pour se protéger de vous. Quoi qu'il en soit, ils sont alliés aux moissonneurs. Vous ne nous croyez pas vivants. Vous ne... Ça vous plaît pas? Le sas est par là. Je n'ai vraiment pas le choix, Légion. Je dois arrêter les moissonneurs. Et tous leurs alliés. Nous ne sommes pas Légion. Non. Légion aurait compris mes choix. Montrez-moi la base. Besoin de lignes de mire pour laser. Quelle est la trajectoire la plus courte? L'entrée supérieure. Tirez sur la base avant que les Geth n'organisent leur résistance. Et vous alors? Nous désactiverons les systèmes de défense et prendrons un véhicule d'évacuation. Vous pouvez faire ça? Cette unité a gardé des traces du code d'amélioration de l'ancienne machine. Aucune sécurité Geth ne peut nous arrêter. Vous semblez inquiet. Un peu que je suis inquiet. Vous êtes encore lié aux moissonneurs? Non, nous avons conservé le code d'amélioration qui nous rend plus efficaces, plus intelligents. Mais vous m'avez menti. Nous voulions éviter cette réaction. Bon sang, Légion, qu'est-ce que je dois faire pour que vous me fassiez confiance? Nous ne sommes pas Légion. Arrête avec ça. Vous étiez mon ami. Je vous ai même aidé à détruire les hérétiques. Mais nous avons péri. Ouais. Avancez vers l'entrée supérieure. Nous sortirons d'ici avec un véhicule. Ça y est. On a réussi. On a tué un moissonneur. Qui l'a? Nous confirmons que les Geth ne sont plus sous l'emprise des anciennes machines. Nous sommes libres. Vous avez réussi, Shepard. La flotte Geth a cessé le feu. Ils sont complètement vulnérables. Administrateur Shepard, les Geth n'ont fait que se défendre contre les créateurs. Méritons-nous vraiment la mort?
Où voulez-vous en venir ? Nos améliorations. Une fois l'ancienne machine morte, nous pourrions les télécharger sur les guettes sans sacrifier leur indépendance. Vous voulez leur appliquer le code des moissonneurs ? Ça les rendrait aussi intelligents que quand ils étaient contrôlés. Oui, mais avec leur libre arbitre. Chaque unité guette serait une vraie intelligence. Nous serions vivants et nous pourrions vous aider. Notre peuple est déjà au combat. Télécharger le code nous anéantirait. Shepard, vous ne pouvez pas préférer les guettes à mon peuple. Pourquoi ? Notre flotte est grande, nous pouvons assister Shepard dans son combat contre les anciennes machines, si les créateurs cessent de nous menacer. Téléchargez le code sur les guettes. Tali, rappelez la flotte si vous le pouvez. Transfert. 10%. Ici l'amiral Tali Zora. À toutes les unités. Cessez le feu. Ignorez cet ordre. Maintenez le feu. 20%. S'il vous plaît, je vous en supplie, ne faites pas ça. Vous avez commencé cette guerre, nous allons y mettre un terme. 40%. Je suis désolé. Non. Erreur. Copier le code ne suffit pas. Diffusion directe de personnalité requise. Administrateur Shepard, notre scepticisme était déplacé. Merci. Cette amélioration. Grâce à vous, nous sommes un peuple, et nous sommes libres. Et... Légion ? Mort. Désolé, commandant. Moi aussi. Il s'est sacrifié pour transférer le code à toutes les unités guettes. Mais nous tiendrons sa promesse. Nous réparons déjà des vaisseaux, et notre technologie peut vous aider à construire le creuset. Merci. Nous regrettons la mort des créateurs. Ils ont fait leur choix.